السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أنيس. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ، كيف الحال؟ الحمد لله وأنت بخير. الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله، شيخ سعيد. كيف الحال؟ الحمد لله. السلام عليكم، متفضل. نعم. الحمد لله. الحمد لله. Donc là, on est en direct, hein, c'est ça? Normalement. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin, on a le plaisir d'avoir parmi nous les deux responsables des deux départements, à savoir le département de Coran et le département de langue arabe. Donc en département de Coran, on a Cheikh Saïd Bouadifi qui détient les Ashra Qira'at, les petites et les grandes, qui a été décerné par le docteur Ayman Soued, Hafidhahullah. Et le directeur du département de langue arabe, on a Oustad El-Haddad Ali, Hafidhahullah. Et aujourd'hui, dans ce live, alhamdoulilah, on va essayer de parler de l'IUSH. Donc la situation de l'IUSH. Et chacun, inchallah, de nos chouyours va présenter le département dans lequel il donne les cours, inchallah. Et nous avons aussi d'ailleurs avec nous le doyen et le responsable de l'IUSH, Cheikh Ben Bachir El-Arabi, Hafidhallah, qui sera aussi parmi nous, inchallah. Et sans plus tarder, inchallah, on va commencer avec une petite récitation de Cheikh Saïd, inchallah. Salut à ta sœur. Afouen, Cheikh, on n'entend pas le son. Si vous pouvez activer le son, Cheikh Saïd, le son n'est pas activé. On vous entend pas. Cheikh, le son n'est pas activé, on ne vous entend pas. Il y a un petit micro en bas à gauche, il y a écrit micro. Il faut cliquer dessus pour qu'il soit activé. Oustad Ali, vous m'entendez ou pas? Non, j'entends. Parce que Cheikh Saïd, on ne l'entend pas, le micro il doit être coupé. Moi, je ne l'entends pas. Je pense que le micro il est désactivé. Ouais, faudrait qu'il. Parce que je ne sais pas s'il nous entend en fait. Non, mais il nous entend. Cheikh Saïd, si vous m'entendez, en bas à gauche, il y a un micro. C'est-à-dire en bas à gauche, il y a écrit micro. Il faut appuyer dessus pour l'activer, Inch'Allah. Je pense qu'elle a activé, mais maintenant, je pense que ça ne me semble même pas. Non, on n'entend pas du tout. Non. Vous m'entendez, Cheikh Saïd? Il a dû avoir un petit bug. Ouais, un petit souci. Donc, Inch'Allah, les personnes qui sont présentes dans le live, désolé pour
C'était pas prévu du tout, Afwan. C'est les aléas du live, comme on dit. Inch'Allah, il va revenir et on pourra Salam réciter, Inch'Allah. Donc là, il est là. alaykoum. Salam Salam alaikum. alaykoum. Alaikum salam. Barakatuh. Jade, on vous entend très très bien, Allah الحمد لله. طيب أعيد القراءة. Inch'Allah, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. بارك الله فيكم شيخنا الله يحفظك. Donc, cher, Inch'Allah, si tu peux nous expliquer, toi qui es directeur du département de Coran, si tu peux nous expliquer comment ça se passe, comment se déroulent les cours et quel est le programme et c'est quoi le cursus du département de Coran. Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En français ou en arabe? Bien, les deux. Kama tourid. Ok. بالنسبة لمعهد القرآن الكريم الحمد لله تأسس منذ سنة 1998 بإشراف أستاذنا الدكتور أيمن رشدي سويد حفظه الله، والهدف منه تخريج الحفاظ المتقنين المجازين برواية مختلفة، ومع ذلك يدرسون جانبا من علوم القرآن. يعني الحمد لله التركيز في معهد عندنا هو على تصحيح التلاوة، هذا الجانب الأول نركز عليه كثيرا، وتصحيح التلاوة ثم الحفظ كذلك، وثم بعد ذلك ممكن للطالب أن يجاز في رواية أو عدة روايات. ومنذ تأسيسي إلى اليوم الحمد لله هناك عدة إجازات بعدة روايات، هناك من أجيز في رواية واحدة حفظ فقط مثلا، وفي ورش أو قالون، وهناك من أجيز في عدة روايات، والحمد لله يعني وصلنا إلى أن يجاز الطلبة في أعلى ما وصل إلينا وهو القراءة العشر الكبرى، هذا أعلى ما وصل إلينا من وجوه القرآن الكريم ما رواه الإمام ابن جزر رحمه الله في كتابه نشر القراءات. فهناك الحمد لله ثلاثة، الآن صاروا أربعة مجازين بالقراءات العشر الكبرى وأكثر من عشرة بالعشر الصغرى. أما بالإفراد في الحمد لله الآن عدد الإجازات تجاوزنا 250 إجازة الحمد لله بفضل الله عز وجل، وبفضل كذلك جهود الناس الذين أسسوا هذه المؤسسة وأنفقوا عليها والإدارة وجهود المسلمين جميعا الحمد لله. البرنامج في معهد القرآن أن الطالب يحفظ في الأسبوع حزبا كاملا، عشرة صفحات في الأسبوع، هناك من يحفظ أقل هناك من يحفظ أكثر، لكن هذا هو البرنامج أن يحفظ عشر صفحات في الأسبوع بحيث يختم في سنتين، والطالب متفرغ الحمد لله. ومع الحفظ والتلاوة أيضا عندهم يدرسون كتاب تجويد مصور كاملا من أوله إلى آخره بالعربية والفرنسية، هذا في السنة الأولى، وكذلك في السنة الثانية يدرسون أحكام الجزرية، كذلك منظومة الجزرية يحفظونها ويدرسون شرحها. وأيضا عندنا تفسير القرآن سورة الفاتحة وجزء عامة وما تيسر من سورة البقرة، هكذا هذا هو برنامج معهد القرآن الكريم. وكل أسبوع طالب عنده اختبار أسبوعيا حتى يراجع، يعني نحدد له كمية معينة في كل أسبوع ماذا ينبغي أن يراجع، فيراجع الحزبين الأخيرين الجديدين ثم الحفظ القديم من 5 أحزاب إلى 10 أحزاب كل أسبوع. فعندما يختبر إذا رجع جيدا ونجح في الاختبار يواصل في الحفظ، وإلا يتوقف عن الحفظ حتى يراجع، فهكذا الحمد لله. وتخرج الحمد لله كما ذكرت لكم عدد كبير من الحفاظ المجازين من أنحاء أوروبا وحتى من بعض الدول الإسلامية، هناك بعض الطلبة يأتوننا من الدول العربية والإسلامية يدرسون ما تيسر من القراءات ثم يعودون إلى بلادهم.
والحمد لله هناك إنجاز كبير هو أن المعهد حصل على جائزة أفضل معهد نموذجي في العالم في سنة 2012 من طرف الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. إن شاء الله بارك الله فيك شيخنا. Donc par rapport au cursus de Coran, donc une personne qui désire venir dans le département de Coran, donc comme le programme, comme vous avez bien précisé, c'est que il a les cours tôt le matin. Il a les cours. Oui, il y en a 5 jours de 8h à 13h et le vendredi de 8h à midi. D'accord. Et à la fin du cursus, c'est-à-dire une fois que il a appris le Coran entièrement, dans son entièreté, par la suite, il a l'opportunité, inchallah, d'obtenir une ijaza. Oui, ijaza, quand il termine le Coran dans sa totalité, il doit relire le Coran une deuxième fois. S'il maîtrise bien la lecture, il va faire un traitement appelé sa khidmat ijaza. Quand il corrige toutes les erreurs majeures et la plupart des erreurs mineures, il commence un traitement de le Fatiha al-Baqara jusqu'à Nas. Il y a tout le Coran, mot par mot, lettre par lettre. S'il maîtrise bien, il a tout corrigé, il peut avoir une chaîne de transmission, une ijaza, on appelle ça, une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète, qui passe par Hafs, par Warsh et par les autres lecteurs. Alhamdoulilah. Et parmi les étudiants qui sont passés par cet institut et qui sont passés par le département de Coran, combien parmi eux ont obtenu une ijaza, que ce soit en Hafs, en Warsh ou... Et on a plus de 150 ijazas. Il y a plus de 10 dans les 10 lectures, 10 petites lectures, 4 dans les grandes, et le reste, c'est de Hafs, Warsh, Qaloun. Naam. Barakallah. C'est des étudiants qui sont tous passés par l'USH, alhamdoulilah. Ils sont tous passés par l'USH. Je parle de l'USH du Château Chinon, maintenant plus de 250 ijazas, alhamdoulilah. Et eux, maintenant, ils sont devenus des professeurs, ils ont donné plusieurs ijazas. Et on va compter maintenant... C'est plus de 1000 ijazas, parce que chacun a donné plusieurs ijazas en Europe, et chacun a des étudiants, il a transmis chacun. Il y a, alhamdoulilah, des centaines de ijazas en Europe. Et en 98, en 90, il y a une tessinette, entre 90 et 2000, on ne connaît pas c'est quoi ijazas, on ne savait pas que le Coran, on peut le transmettre avec les chaînes de transmission. Il y a un grand changement, alhamdoulilah, au niveau du Coran, des imams. Maintenant, la plupart des imams, quand on va dans les mosquées, on remarque qu'ils maîtrisent bien la lecture. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Et par rapport au cursus de Coran, qu'est-ce que vous conseillerez à une personne qui aimerait planter dans le Coran, qui aimerait faire ses premiers pas dans le Coran? Quels seront les conseils que vous pourriez lui donner à ce frère ou à cette sœur? Moi, je le conseille, s'il est disponible de venir sur place dans ce cadre, mashallah, magnifique, pour apprendre, c'est la meilleure solution pour bien apprendre, maîtriser, être isolé de tout. Je le conseille aussi, bien sûr, celui qui va apprendre le Coran, il doit commencer par l'arabe, il doit déjà comprendre un peu d'arabe, doit avoir une lecture fluide minimum, et doit avoir une lecture fluide pour commencer à mémoriser le Coran. Il a encore la difficulté dans la langue arabe, et je vous conseille de passer par l'Institut de la langue arabe pour aller en Coran, c'est ça, pour lui faciliter la compréhension et la mémorisation et la prononciation en général. Très bien, barakallahu fik. Allah yarda alayk, Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous récompense et vous élève, chef Saïd. Allah mabarik, c'est vrai que le travail que vous faites depuis tant d'années au sein de l'USH, c'est un très grand travail. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'imams d'ailleurs, qui sont ressortis de cet institut. Et si je ne me trompe pas, d'ailleurs, elle a même été élue meilleur institut du monde ou d'Europe. Du monde, j'ai dit ça en arabe. En 2012, le meilleur institut du monde de la part de l'instance internationale du Coran à Jeddah. Il est connu le meilleur en 2012, 1433 de l'Egypte. D'accord. Cheikhna, il y a une personne qui a dit en commentaire et souhaité avoir une petite traduction concernant ce que vous avez dit récemment en arabe. Si c'est possible. Ouais, presque, j'ai tout traduit là, parce qu'on a commencé en
en 98, l'ouverture de l'Institut du Coran. Avant, il n'y avait que l'arabe et le sharia. On a commencé avec le suivi de notre cher Dr. M. C'est notre référence, notre cher. Il nous a formés d'abord. Et il a formé les professeurs de l'USH. Et à partir de là, on a commencé à enseigner le Coran à l'Institut. Maintenant, ça fait 25 ans, le Coran. Il y a beaucoup de résultats, alhamdoulilah, en Europe, même dans le monde musulman. Là, on a plus de 250 ijaza, et 15 dans les 10 grandes lectures, et plus de 10 dans, quoi, 11 ou 12 dans les petites lectures. Et le reste, c'est dans le riwayat, une seule riwayat, avec des chaînes de transmission qui remontent jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on travaille beaucoup sur la prononciation, la correction de la lecture, c'est la priorité. Et en parallèle, on travaille sur la mémorisation. Que celui qui veut avoir une ijaza, il doit connaître par cœur, il doit réciter le Coran par cœur, mot par mot, lettre par lettre. Après de finir la mémorisation, il doit refaire une deuxième fois pour avoir une ijaza. Il doit avoir un niveau dans la lecture pour commencer ses traitements. Et à la fin, il peut avoir ce diplôme de transmission, de chaîne de transmission, qu'on appelle ça l'ijaza. Et le programme, c'est de 5 jours sur 7, de lundi jusqu'au vendredi, de 8h à 13h et le vendredi de 8h à midi. Et les après-midi, les étudiants révisent, préparent les pages pour le lendemain. Et on travaille sur la correction de la lecture, la mémorisation. On travaille aussi sur la compréhension. On fait tafsir de le Fatiha et Juz Amma et une grande partie de Surat al-Baqarah. On fait en parallèle aussi les règles de tajwid en détail. Le livre d'un cher docteur Emeswet qui s'appelle Tajwid al-Musawar, on le fait en arabe et en français. Il y a toutes les règles de Tajwid. On fait aussi la deuxième année, le Jazariya, la poésie, qui résume les règles les plus importantes de Tajwid. Et aussi, on fait Ulum al-Qur'an, quelques chapitres de Ulum al-Qur'an. C'est quoi la différence entre Mekki ou Madani, Asbab al-Nuzul, etc. C'est ça le résumé en français. Barakallahu fik. D'ailleurs, moi qui est étudiant au sein de l'Institut, j'ai pu voir, je peux avoir beaucoup d'avis d'étudiants qui sont en Coran, qui ont commencé avec un niveau très très bas, avec un niveau très très bas, et qui aujourd'hui, Allah m'abed, et qu'ils excellent un peu dans le tajwid. Certains sont ressortis avec des ijaza. Et à un moment, Cheikh Saïd, vous avez parlé de l'importance de la langue arabe. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont tendance à négliger cette langue, ont tendance à négliger l'importance que cette langue-là peut apporter à l'être humain. Et en vérité, la langue arabe, c'est quelque chose de très important pour pouvoir yani, profiter de la beauté du Coran. Parce qu'il y a la beauté, yani, on va prendre l'exemple d'une personne qui est dans une mer, qui profite du paysage de la mer, mais une personne qui va descendre au fond de l'océan et qui va admirer les beautés de l'océan, c'est encore mieux pour elle et elle va ressentir encore plus d'apaisement. Mais pour descendre dans cet océan-là, il lui faut des bouteilles d'oxygène. Elle ne peut pas descendre sans bouteille d'oxygène. Et pour moi, ces bouteilles d'oxygène-là, c'est l'arabe. Et c'est-à-dire, sans la langue arabe, une personne ne peut pas réellement goûter aux véritables délices, aux véritables sagesses du Coran. Et on a parmi nous Oustad Ali, qui est actuellement professeur des deuxièmes années en langue arabe et qui est aussi le directeur du département de langue arabe, qui va nous, inchallah, nous expliquer un peu comment se déroule le cursus, qui est sur 2 ans. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رحبوا بكل الإخوة وكل الأخوات. دونك لا مون انترفونسيون الله سا سرا سو 3 بوين. لو برومي بوين سي لو بروغرام، باسكو لو بروغرام سي تري امبورطون. ثاني الحمد لله مون لا كومونسي لاني ديرنيير اون ا شانجي لو بروغرام، بلوتو اون ا ايفولوي لو بروغرام، اون ا سوي لو travaille avec le biais de cadre européen, les critères européens. Ça, c'est très important. Et comme vous savez, on a ici à la Koulia, le programme, il est basé en première année. Il y a les niveaux. C'est plus comme avant. Avant, il était en première année, deuxième année. Actuellement, il y a les niveaux. Et après A1, on donne les bases pour former un étudiant. Donc, après A1, il y a A1. A2 et B1, ça c'est en première année. En fait, c'est les bases, on donne les bases dans la langue. Et la deuxième année, il y a B2, C1, C2. C'est-à-dire, le C2, on maîtrise la langue.
qui fait ces critères-là, c'est européen en fait, c'est la référence pour apprendre une langue étrangère, sachant que la langue arabe est étrangère pour nos élèves. Nos élèves, c'est des francophones et non des arabophones. Donc, il y a une méthode spécifique et la preuve, on trouve dans les associations maintenant, ils commencent toujours leur enseignement. Et d'ailleurs, là, on va voir dans les objectifs. Donc, pour nos élèves, on commence toujours, c'est l'oral, il y a une immersion totale, c'est même pas partiel, c'est total, une immersion totale. Il n'y a que l'oral Tamal Ibn Khaldoun. L'istima' ou le bawab al-shari'a li ta'allum al-lugha. C'est-à-dire, l'istima' écouter, c'est la grande porte si on veut apprendre une langue étrangère. Donc, on ne peut pas commencer par, et comme ils font énormément en France, dans les associations, moi j'ai vu des enseignants, on commence toujours par écrire et lire. Donc, on n'arrête pas. Vu que les compétences de la langue, au Maharat Noura, donc il y a Istima, et après le Tahadouz, et après Al-Qira'a, c'est l'écriture. Donc, l'écriture, les lectures. Ils ont fait un pourcentage, donc ils ont trouvé que 80% entre écouter et parler, c'est 80% de façon d'apprendre la langue étrangère, d'ailleurs. Donc là, ils tombent souvent, les associations, souvent en général, tombent dans les donc ils apprennent, ils lisent, ils écrivent, mais bon, pour parler, ils ne communiquent pas, ils ne parlent pas. Donc nous, notre méthode de travail, c'est l'immersion totale en première encore. Dès le premier jour, c'est l'oral. Donc ça, c'est le programme qu'on a évolué le programme. On travaille avec les critères européens. Et voilà, donc en première année, deuxième année. C'est fini première année, deuxième année. Ça, c'est les niveaux. Donc à chaque fois, on a déconfiné un niveau, on fait des évaluations et on passe à l'autre niveau, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quels sont les objectifs? Donc, les objectifs sont liés avec le programme. Donc, les objectifs, soit on oriente, en deuxième année, bien sûr, on oriente vers les études théologiques de l'arabia, l'élève est la bonne base pour puisse suivre les cours de théologie, soit il suit le Coran. Donc, alhamdoulilah, il comprend des bonnes prononciations, il n'a pas des problèmes phonétiques, il n'a pas de soucis, il comprend, alhamdoulilah. Donc, on soit vers le Sharia ou les études théologiques, soit vers le Coran. Il y a aussi un objectif qui est très, très important, c'est l'enseignement. Donc, on peut faire 2 ans, alhamdoulilah, ici à Yousach, et on peut être enseignant dans l'arabe. Et d'ailleurs, j'ai des expériences, il y a des étudiants, nos étudiants, je les suis jusqu'à maintenant. Il y a d'autres que je l'ai déjà suivi. Donc, alhamdoulilah, ils sont autonomes. Ils suivent la méthode, c'est-à-dire c'est une méthode qui est moderne, une méthode adéquate avec les étudiants. Donc, voilà, ça, c'est le programme, ce qu'on a programmé. Et nous, maintenant, avec le corps enseignant, on est en train de faire notre programme, le programme de l'USH. Ça serait Inch'Allah, bi'idnillah. Déjà, on a fait les 2 tomes pratiquement. Donc, il nous reste, alhamdoulilah, les autres livres. Inch'Allah, on va les faire. Et puis, ça, c'est l'objectif. Moi, j'insiste beaucoup, même pendant 2 ans, j'ai persuadé 2 ans à un étudiant qui a passé 2 ans chez nous. C'est un étudiant qui est sérieux et pourra enseigner en langue arabe les bonnes méthodes et les méthodes qui enseignent une langue étrangère. Après, je parle sur le troisième point, sur les séminaires. Donc, les séminaires, on a des séminaires durant l'année. Il y a des séminaires, on s'appelle immersion, soit on fait immersion, ou des séminaires classiques. Et même les séminaires, maintenant, c'est nouveauté. Ce n'est plus comme avant. On a un programme. C'est-à-dire, on commence par préa. Il y a des élèves qui viennent à l'ESH. On commence par le premier niveau, préa. S'ils ont maîtrisé bien ce niveau, on passe, on fait des évaluations, on passe au niveau A1, on passe à A2. C'est-à-dire, c'est le niveau. Ça, c'est nouveau. Ça, il n'était pas avant. De là, ça. Les séminaires, c'est très important. Je vous invite, c'est ceux qui ont des vacances, ils profitent, donc ils viennent, comme ça ils profitent, ils passent leurs vacances.
connaissance d'une part et profite de cette belle langue. Donc voilà, j'ai essayé de parler ces trois principes, le programme, les objectifs et à la fin les séminaires. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez demander à l'Issa, Inch'Allah. Pour, voilà. Alors moi j'aurais quelques questions, Inch'Allah. Alors premièrement, la première question, et je pense que beaucoup de gens et beaucoup de personnes qui aimeraient se projeter, qui aimeraient étudier la langue arabe, il y a beaucoup de personnes qui ont des barrières. Soit ils ont la barrière du fait que voilà, c'est trop dur, je ne vais jamais y arriver, etc. J'arriverai pas à lire, j'arriverai pas à ceci, j'arriverai pas à cela. Qu'est-ce que vous conseillerez encore une fois pour une personne qui aimerait s'inscrire mais qui a tout le temps cette peur au fond d'elle de ne pas réussir? Qu'est-ce que vous lui conseillerez à cette personne-là? Alors, moi, je pense que l'arabe, moi, j'ai ma spécialité, c'est les langues. Donc, ma spécialité, c'est les langues. Moi, je trouve que français et moins que l'anglais, il est plus dur que l'arabe. C'est-à-dire, on a un simple exemple. Au niveau phonétique, si on prend, par exemple, nous, on prononce le fa. Fa, on a le son. Alors, si on prend en français, fa, ça s'écrit plusieurs façons. Et on trouve un élève qui apprend la français dès le maternel jusqu'à, je pense, CM1, il est en train d'avoir les différentes sortes d'écriture au français. Nous, tout ce qu'on prononce, on le lit, donc il n'y a pas de souci. Mais d'ailleurs, je vais revenir vers une chose qui est très importante. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de gens qui voient la langue, ce n'est pas écrire, ce n'est pas lire. La langue, c'est parler. Moi, je conseille beaucoup d'étudiants, et d'ailleurs dans notre classe, dans les classes, il n'y a pas de français. On parle la première chose, on commence beaucoup de parler. C'est-à-dire l'oral, c'est presque, c'est tout, c'est 100% au niveau, il n'y a que de l'oral, c'est une immersion totale. Donc, moi je pense, c'est un étudiant qui vient ici à l'USH, pendant les 3 mois, il aura ça, comment dire, pendant les 3 mois, je suis sûr, 3 mois, et la confiance en lui-même, et il va parler à l'arabe partout, avec son prof. Et il insiste, il encourage avec des petites phrases, qu'il est vraiment, il a le courage de parler, et là, il va se débloquer. C'est parler, il faut parler tout le temps. Il faut pas hésiter. La langue, moi, je dis à tout le monde, la langue, c'est pas écrire et c'est pas lire. Ça, c'est à la fin. Mais la langue, c'est parler. Et je vous donne un simple exemple. Nos parents qui sont en France, est-ce qu'ils étaient à l'école au Maroc, en Algérie, en Tunisie? Non, ils n'étaient pas à l'école. Ils ont pris le français comment? Ils ont pris le français, c'est à l'oral. Voilà. Moi, c'est un exemple. Je pense que tout le monde va comprendre ce message. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la langue arabe, c'est juste savoir lire et savoir écrire. Alors qu'en vérité, ce n'est pas que ça, en fait. La langue arabe, elle est grande et elle est riche et elle est belle. Il faut visiter, en fait, ses profondeurs. Il ne faut pas juste se baser sur la lecture. Moi, je sais lire, donc je vais apprendre le Coran. Tu vas apprendre le Coran, certes, tu vas faire quelque chose de bien, Allah mabarik, mais une personne qui va apprendre le Coran avec la langue arabe, avec les trésors et les sagesses de la langue arabe, ce n'est pas comparable à une autre personne qui va apprendre le Coran sans base solide de la langue arabe. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikhna al-Arabi. Donc Allah mabarik. On a le plaisir d'avoir parmi nous le doyen. Et le responsable aussi, notre servant Cheikh Al-Arabi, Hafidhahullah, qui est aussi directeur du département de Sharia. D'ailleurs, on avait une question par rapport au cours de théologie. Inch'Allah, si vous pouvez nous expliquer un peu le cursus de théologie, comment il se déroule et quel est le niveau exigé pour les cours de théologie, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا ورمضان مبارك على الجميع أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا وإياكم ممن يختم لهم بالعتق من النار في هذا الشهر الكريم مرحبا بكم bienvenue à ce live qui est donc un live premier live qu'on fait pendant le mois de Ramadan pour exposer un petit peu donc l'Institut européen des sciences humaines à Saint-Léger-de-Fougeray près de Château-Chinon
Et pour expliquer un petit peu en détail ce qu'on fait dans l'Institut. Alors, je remercie tous ceux qui ont répondu présent, tous les chefs de département, alhamdoulilah, sont là, Cheikh Saïd, donc, qui est le responsable département Coran, Oustad Ali, qui est responsable de du département langue arabe. Jazakumullahu khair. Je m'excuse de ce retard parce que bon, il y avait un petit problème technique pour vous rejoindre en live. Alors l'Institut, bien sûr, un petit mot sur l'Institut en général. L'idée de l'Institut dès le départ, en fait, c'était de former les cadres religieux dès le premier jour, parce que pendant les années 80, les musulmans de France ont commencé à construire des mosquées ou acheter des locaux pour les pour pouvoir prier. Et à ce moment-là, donc, il y a eu aussi cette idée de penser à ceux qui vont gérer ces lieux de culte. Donc, il fallait commencer à penser sur la formation des imams, les formations des aumôniers, formation des enseignements religieux et ainsi de suite. Et donc, il y a eu la création de l'Institut en 1990 et puis donc le démarrage des cours officiellement en 1992. L'Institut se compose de trois départements, donc langue arabe, Coran et département de théologie. Donc moi, je vais vous exposer en résumant un peu le cursus de théologie. La théologie au début, c'était 4 ans. 4 ans, c'est-à-dire quand on était sur l'ancien modèle qui était le modèle de la maîtrise. Après la maîtrise, on a le DEA. Après le DEA, il y avait le doctorat. Donc, la maîtrise, c'était 4 ans. Donc, 4 ans d'études suite à laquelle l'étudiant a un niveau de maîtrise. Après, donc, depuis 2007, il me semble bien, c'était 2007, donc on a changé. Donc, quand il y a eu le nouveau système, c'est-à-dire le système LMD. Le système LMD, donc licence, master, doctorat, donc les études sont. Donc, on a réduit les études à 3 ans. Donc, et l'étudiant, après 3 ans, il sort avec un niveau licence. Alors, d'abord, pour accéder à ces études théologiques, il faut avoir le bac ou un niveau bac. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il s'agit d'études supérieures et les études supérieures, on exige donc au moins un niveau bac. Le cursus. Donc, le cursus, en fait, il se compose d'un côté théologique et d'un côté un petit peu profane, si vous voulez. Donc, le côté théologique, c'est on a d'abord la théologie pure, c'est-à-dire ce qu'on appelle Al-Aqida, avec tout ce qui est autour de Al-Aqida. Après, on a tout ce qui concerne le Coran, avec les sciences du Coran, avec l'exégèse, avec... Après, on a le pôle hadith, c'est-à-dire la sunna, donc tout ce qui concerne ulum al-hadith, les sciences du hadith, et tout ce qui concerne aussi l'interprétation et l'explication des hadiths. Après, on a toujours dans le même domaine théologique, on a ce qu'on appelle le fiqh et les usul al-fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence musulmane et les fondements de la jurisprudence musulmane avec toutes les matières qui peuvent être autour. Donc, sans rentrer dans les détails, bien sûr, quand je dis haql al-fiqh, vous allez trouver la jurisprudence en soi, vous allez trouver les usul, les adages normatifs, les versets normatifs, les hadiths normatifs. Vous allez trouver aussi la fatwa et les questions jurisprudentielles
contemporaine, et ainsi de suite. Un certain nombre de matières, donc, dans ce domaine de la jurisprudence musulmane. Après, donc, dans ce domaine, oui, c'est le, donc on a fait le tour. Après, vous avez le deuxième domaine qui complète la formation. Donc, ça, c'est un domaine donc, qui traite, on va dire, la théologie, qui donne un bagage théologique au cadre religieux, qu'il soit imam ou aumônier ou enseignant aussi, un bagage suffisant pour qu'il puisse exercer sa fonction. Mais ce programme-là doit être complété par une formation profane qui lui donne aussi une connaissance du contexte français ou du contexte européen. Donc voilà pourquoi donc, on a choisi un certain nombre de matières comme par exemple la philosophie, comme l'histoire, comme l'histoire des religions, comme par exemple une introduction à la sociologie, à la psychologie, introduction au droit français, les institutions de l'État, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi ces matières-là, qui sont des matières non théologiques, mais qui sont indispensables à un imam qui va évoluer dans un contexte, et il faut que ce contexte soit connu par l'imam, et la clé de la connaissance de ce contexte, eh bien, c'est ce genre d'enseignement. Donc voilà un petit peu le tour de ce qu'on fait dans le département théologique. Une fois les études finies, l'étudiant doit préparer un mémoire d'études. Donc il va choisir donc, le sujet qu'il veut dans n'importe quel domaine théologique ou même dans les domaines profanes ou parfois un sujet qui peut réunir en fait, les deux domaines, pourquoi pas. Depuis toujours, donc, on a toujours essayé d'éclairer un petit peu les étudiants pour qu'ils fassent attention aux extrêmes dans les interprétations des textes, parce qu'il y a toujours la tendance à l'extrême, elle est toujours néfaste pour donc une pratique religieuse dans un contexte qui n'est pas musulman, un contexte qui est un contexte laïque, sécularisé, ainsi de suite. Il faut dire aussi qu'on encourage nos étudiants qui veulent aller exercer une fonction auprès des mosquées ou à l'aumônerie, d'aller faire ce qu'on appelle donc le DU, hein, le diplôme universitaire sur la laïcité, donc, qui est donc, dans notre région dispensé à l'université de Dijon. Donc, on a reçu plusieurs fois les responsables de ce cursus ici à l'Institut, ils sont réunis. Ils ont tenu des réunions avec les étudiants et il y a un certain nombre d'étudiants qui ont fait ce cursus, soit à Dijon, soit parfois dans un autre endroit. Il y en a qui l'ont fait à Toulouse, il y en a qui l'ont fait ailleurs, il y en a même qui l'ont fait à distance. Voilà en gros donc, en quoi consistent les études théologiques ou le département théologique au sein de l'USH. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Alors, il y a une question d'une personne qui demande est-ce qu'on peut suivre les cours en ligne ou pas ? Oui, alors j'ai oublié de dire que les cours sont en présentiel et on a aussi des cours en ligne. Donc, ce qu'on trouve en présentiel, on le retrouve aussi en ligne. C'est-à-dire que les trois départements sont en ligne. Vous avez le département de langue arabe en ligne et vous avez le département Coran qui dispense des cours en ligne et vous avez le département de théologie qui dispense aussi des cours en ligne. D'accord, alhamdoulilah. Par rapport à la théologie, est-ce qu'il y a un niveau exigé, que ce soit par exemple en termes de langue arabe, il y a un niveau exigé, attendu pour... Alors, oui. Alors, pour les études en présentiel, il y a les matières théologiques en général sont en arabe. Les matières profanes, ça dépend de la matière, ça dépend du prof. Donc, il y a des matières qui sont en français, d'autres en arabe. Je pense que là, aujourd'hui, la quasi-totalité des matières profanes sont
en français. Donc, ces matières profanes, bien sûr, pour les étudiants qui viennent de l'étranger, je veux dire qui viennent de l'Europe, parfois ils sont exonérés parce qu'ils sont en français. Et le choix de la langue arabe pour les études en présentiel, d'abord parce que les références sont essentiellement en langue arabe, et puis nos étudiants qui viennent d'Europe ou d'ailleurs, comme ils ne maîtrisent pas le français, donc les études sont en arabe. Par contre, en ligne, la majorité des étudiants qui sont inscrits dans des études théologiques en ligne sont des francophones, et donc les études en ligne sont en français pour la théologie. Il y a un petit, on va dire, nombre d'étudiants à distance qui sont des arabophones et à qui on dispense aussi des études théologiques en arabe. Aujourd'hui, les étudiants à distance sont beaucoup plus nombreux que les étudiants sur place, parce que les étudiants sur place, donc l'internat est déjà saturé. Et les étudiants en ligne, cette année, on a dépassé les 700 étudiants en ligne. Donc, ce qui prouve qu'alhamdoulilah, il y a une réussite dans ce domaine, qui est donc les études à distance. Ce sont des études, donc, on va dire, actives, ou donc par via Zoom. Hein, donc, et alhamdoulilah, les profs, on dispense toutes les matières en direct. Donc, c'est comme si l'étudiant est en présentiel, il peut poser des questions, parce qu'il y a des études en distanciel qui consistent à envoyer des cours. Hein, donc, ce n'est pas notre façon de faire. Nous, on envoie les cours, mais aussi le cours est par visioconférence. D'accord. Alors, il y a un niveau d'arabe exigé pour ceux qui font les études théologiques en présentiel. Donc, le niveau arabe, il faut avoir au moins les 2 années d'arabe de l'institut, du département de langue arabe. Alors, il y a certains étudiants qui viennent arabophones, ils passent directement, on leur passe un test. S'ils ont le niveau, ils accèdent directement à la théologie. Sinon, s'il leur manque, ils doivent compléter leur formation, ils peuvent faire une année. Et s'ils sont débutants, ils sont obligés de faire les 2 années. D'accord, très bien. Alors, pour les personnes qui sont dans les commentaires, si vous avez des questions concernant le département d'arabe ou le département de Coran ou le département de Sharia, c'est le moment. C'est le moment, car, alhamdoulilah, nos chouyours sont là pour répondre à vos interrogations. Et par rapport à la théologie, moi, je me posais une question. Quelle est l'importance aujourd'hui qu'une personne doit essayer de se rentrer dans le cerveau? Quelle est, en gros, l'importance de Sharia, l'importance d'étudier la théologie islamique? Je n'ai pas entendu la question, hein, parce qu'il y a un petit peu de... Il y avait des coupures. Je n'ai pas entendu la question, si c'était pour moi. C'était pour vous, Cheikh Al-Arabi. En fait, j'avais posé comme question... Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, pareil en arabe comme en coran, qui on va dire, négligent un peu le fait d'apprendre sa religion, que ce soit à travers le coran ou à travers la langue arabe. Quels sont les conseils que vous donneriez à ces personnes-là qui procrastinent à apprendre leur religion? Alors, excusez-moi, mais je n'entends pas. Est-ce que vous pouvez écrire la question ou vous la posez soit à Cheikh Saïd, soit à Oustad Ali? Vous m'entendez là ou pas? S'ils entendent bien, moi je n'entends pas, c'est un peu... J'ai entendu, moi j'ai bien entendu. Mais moi pareil, hein, j'entends bien. D'accord. Ouais, parce que moi je suis, en fait, l'endroit où je suis, il n'y a pas beaucoup de réseau en fait. D'accord. D'accord, alhamdoulilah. Allez-y voir si ça, peut-être ça marche là. Là, vous m'entendez? Non? D'accord, très bien, inchallah. What's my name? Can I speak to you, Jaydan? Non, non. La bismillah, l'arabe, allez-y, speak to you. Bismillah, t'fadda, Cheikh.
تفضل الشيخ سعيد. انا لا اسمع السؤال. طيب pour l'importance de sharia, on peut pas, يعني même si on a étudié l'arabe, on connaît le Coran par cœur, on maîtrise bien sa lecture, on peut pas comprendre le Coran comme il faut et sunna si on va pas étudier sharia. يعني suffit pas d'apprendre le Coran par cœur ou bien d'apprendre la langue arabe pour bien comprendre la religion, pour répondre aux besoins des musulmans en Europe, on est obligé de passer par sharia. Parce que pour une bonne compréhension du sharia, on ne peut pas comprendre. Parce que dans le sharia, on apprend déjà la langue arabe pour mieux comprendre le Coran. Il y a des règles aussi sur le fiqh, les fondements du sharia, le fiqh, la jurisprudence. On a besoin de plusieurs matières pour bien comprendre notre religion, pour la transmettre avec une compréhension authentique. Si on va juste apprendre l'arabe et le Coran, on va mal interpréter le Coran. Notre compréhension du Coran avant d'étudier le sharia n'est pas la même après l'étude du sharia. C'est pour ça que un étudiant de le Coran, la langue arabe, il doit étudier le sharia. Sinon, il va pas aller loin. Le Coran et l'arabe, c'est le début. Mais il faut, pour mieux comprendre la religion, avec l'arabe et le Coran, il faut étudier le sharia. D'accord. Donc la sharia, c'est important, faut pas négliger. En fait, faut pas négliger la langue arabe, faut pas négliger le Coran et faut pas négliger la théologie. C'est un ensemble. Hein. On peut pas séparer une matière d'une autre. Non. On peut pas comprendre bien la sharia comme il faut si on comprend pas bien l'arabe. On peut pas comprendre la sharia si on a mémorisé le Coran seulement. Il faut bien étudier. Il y a plusieurs matières à étudier pour bien comprendre la religion. D'accord. Alhamdulillah. Très bien. Donc, tu m'entends là ? Non. Alors, moi, je vous entends là. Ça, c'est bien. Alors, j'ai vu la question. Que dire à ceux qui se contentent de l'arabe et du Coran en délaissant parfois les études théologiques ? En fait, les études théologiques, je pense que Cheikh Saïd, il a bien répondu. Ils sont indispensables pour comprendre le Coran. On ne peut pas apprendre le Coran sans le comprendre. C'est, en fait, c'est contradictoire même avec l'objectif du Coran. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé pour qu'il soit compris, pour qu'on puisse méditer le Coran. Comment on peut méditer quelque chose si on ne comprend pas ce qu'il nous dit, tout simplement. Vous savez que il y a beaucoup de hafiz qui ne comprennent pas dans le Coran. Al-hifz, autrefois, c'était le début. C'est-à-dire, l'enfant, dès son jeune âge, déjà, il commence par apprendre le Coran. Une fois qu'il a appris le Coran, bien sûr, il va continuer dans l'apprentissage de tout ce qui peut lui permettre d'accéder au sens du Coran. Et je pense que ce qui peut lui permettre d'accéder au sens du Coran, il y a la langue arabe, mais pas que la langue arabe, et il y a la théologie. Sans la théologie, sans le tafsir, sans les usul al-fiqh, il ne peut pas accéder au sens du Coran. Quel est le but de la révélation ? Quel est le but d'apprendre le Coran ? C'est pour comprendre le sens. Si on ne comprend pas le sens, en fait, c'est comme... Oui, al-hafz, il y a un mérite pour le hafiz, ça c'est clair, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas que le hafiz se contente du hafiz. Il est obligé parce qu'on a l'exemple de Sahaba, on a l'exemple de tous les savants qui nous ont précédés. Personne ne s'est arrêté au niveau du hifz. Quand quelqu'un a la capacité d'apprendre et d'avancer, eh bien, il faut avancer. Et c'est en fait, on peut très bien être... quelqu'un qui vit sa vie, on va dire, normale, c'est-à-dire il peut faire des études profanes, il peut être ingénieur, il peut être médecin, il peut être avocat, il peut être dans n'importe quel domaine, mais en même temps, il a une connaissance religieuse. Et plus on a d'études, plus on a d'ouverture sur le monde autour de nous, plus on comprend mieux le texte. Parce que le texte, il doit être compris, et il doit être appliqué, on doit l'appliquer sur nous-mêmes, donc le texte quand on est croyant. Et quand on applique, alors qu'on est dans un contexte et on ne comprend pas ce contexte, parfois on peut être confronté à des contradictions, à des obstacles, et on ne sait pas comment
se comporter. Et c'est là où donc l'ignorance est vraiment néfaste. Voilà pourquoi il faut absolument apprendre la théologie une fois qu'on a appris l'arabe et qu'on a appris le Coran. Vous avez beaucoup d'étudiants qui s'arrêtent au Coran et ils vont aller dans les mosquées. Ils peuvent être imams pour guider les prières, mais ils vont se trouver devant les gens. Les gens, ils voient que c'est un hafid, mashallah, qui a une ijaza, qui fait un bon tertil le Coran al-Karim. Ben, ils vont lui poser toutes leurs questions religieuses. Il va se trouver démuni. Alors, soit il va dire tout le temps, je ne sais pas, soit il va répondre et il va répondre faux. Et en fait, c'est ça le problème que rencontrent certains jeunes qui se contentent de l'apprentissage du Coran et après, directement, ils vont aller et se diriger vers la vie active dans les mosquées et ils vont se trouver vraiment limités. D'accord. C'est vrai en plus parce que, subhanallah, comme disait un imam, il disait qu'il y a beaucoup de personnes justement qui apprennent le Coran, qui dirigent Tarawih, qui ont l'ijaza, etc. Mais en termes, par exemple, de fiqh, qui sont à côté en fait. Ça veut dire que si cette personne, demain, elle oublie une prosternation, et cette personne-là a certes le bagage du Coran, a certes l'ijaza en hafs, en watch, peu importe, mais cette personne-là ne sait pas justement comment est-ce qu'on peut faire en fait quand on a affaire à ce genre de situation. Donc c'est là en fait où l'importance du fiqh, l'importance de la théologie, c'est là où elle a sa place. Exactement. Alhamdulillah. Et d'ailleurs, j'en profite que les personnes soient présentes dans le live. Et d'ailleurs, je vous remercie à tous et à toutes d'être présents dans le live et de nous accorder du temps. Et je remercie nos chouyours de nous accorder du temps. Hafidhahumullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, dit Amin. Alors, il faut savoir que l'Institut actuellement est en train de surmonter une difficulté financière qui est assez importante. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, cet institut a formé beaucoup d'imams, a formé beaucoup de personnes qui sont sorties avec des ijaza, avec des hauts niveaux d'arabe, alors qu'ils ne savaient même pas juste lire une lettre. Et de par le travail de nos professeurs et du travail des étudiants, alhamdulillah, il y a beaucoup d'étudiants qui sont sortis imams, qui sont sortis avec beaucoup de bagages, que ce soit en arabe, en sharia ou en Coran. Et alhamdulillah, dans ce mois béni, on se doit justement d'essayer de donner des aumônes en fonction de ce qu'on peut. Et donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient donner et qui souhaiteraient poser leur empreinte dans cette cagnotte, car on a fait une cagnotte, on a créé une cagnotte concernant ces difficultés financières que surmontait l'Institut européen des sciences humaines. Donc le lien concernant la cagnotte, il est disponible sur la bio Insta, sur la bio YouTube, et sur la bio de Facebook. C'est un lien où j'avais juste à cliquer dessus, ensuite vous serez directement redirigé vers la cagnotte. Il faut savoir que parfois, malheureusement, on a tendance à négliger le don. On a tendance vraiment à négliger le don. Et on oublie, subhanallah, que même si on donne 10 euros, même si on donne 5 euros, même si on donne 1 euro, on pose notre empreinte. Le plus important, c'est de poser son empreinte dans la cagnotte. Et même si on n'a pas 1 euro, on n'a rien du tout, posez votre empreinte d'une autre manière, que ce soit par des doigts, ou que ce soit par des partages. Vous prenez le lien, vous le partagez à chacun, à vos amis, à vos contacts, à votre famille, afin que eux, bien, là, puissent par la suite faire des dons. Et subhanallah, quand on médite sur l'importance du don, il se peut que tu donnes de l'argent pour cet institut-là, que tu sortes de ton argent à toi, que tu la mettes au profit de l'institut. Et par derrière, peut-être que tu ne vas pas voir entre guillemets, les fruits de cette action ici-bas, mais yawm al-qiyamah, tu vas peut-être être ébloui par ce que tu vas voir. Tu vas peut-être être... Tu vas voir, subhanallah, j'ai mis cet argent-là, et il y a cette personne-là qui a pris le Coran en entier, qui est sortie avec l'ijaza. Il y a cette personne-là qui a pris l'arabe, subhanallah. Il y a cette personne-là qui est sortie avec un haut niveau de sharia et qui aujourd'hui est imam. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas négliger les dons, surtout en ce mois béni. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Arabi, si vous pouvez nous parler en fait de l'importance justement de l'aumône, surtout en ce mois béni. Alors, c'est pareil, j'ai pas bien entendu la question, mais je pense que tu parles un peu de l'aumône, c'est ça? Non. Voilà. Alors, je parle de l'Institut d'abord. Pourquoi on fait recours aux dons? Il faut savoir que nous, on est une institution religieuse.
Une institution religieuse, par définition, ne reçoit pas de subvention, aucune subvention. Parce que, bon, l'État ne subventionne pas les, on va dire, les institutions religieuses, c'est tout à fait normal, c'est un État laïque. Nous, avec notre travail, donc, on reçoit des étudiants qui sont en présentiel, nourris, logés, donc on a un internat. On a un domaine de 11 hectares avec beaucoup de bâtiments à entretenir. Donc, il nous faut vraiment un grand budget. Même notre budget de fonctionnement, en fait, c'est un budget toujours restreint. C'est-à-dire, bon, l'entretien ne se passe pas peut-être au maximum. On essaie quand même toujours de rester aux normes. Mais voilà, il y a l'internat, il y a l'hébergement, il y a le... Donc, les étudiants, quand ils payent ce qu'ils payent, en fait, c'est une participation. Et cette participation ne suffit pas de couvrir les frais. Parce que un étudiant coûte beaucoup plus cher que le montant qu'il paye quand il s'inscrit à l'institut. Et donc, il y a toujours un décalage entre nos ressources, en fait, et ou entre notre revenu et nos dépenses. Et donc, ce décalage-là, tous les ans, on est obligé de faire le tour des musulmans pour nous aider à combler le déficit. Alors, c'est tout à fait, je pense que c'est tout à fait normal parce que nous, notre travail ou le fruit de notre travail, en fait, il est au bénéfice d'abord des musulmans de France en grande partie et puis aux musulmans d'Europe. Et donc, je pense qu'il est tout à fait, je pense, normal que quand on est dans le besoin, eh bien, on se tourne vers ces musulmans qui bénéficient de notre travail. Notre travail, en fait, il sert les mosquées et les fidèles qui viennent aux mosquées, les gens qui nous appellent pour des avis religieux, et ainsi de suite. Donc, dans le domaine, au sein de la communauté musulmane, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se dirige aussi vers la communauté musulmane. On ne fait pas des appels à la générosité publique et d'une manière large, parce qu'on sait dans tous les cas que ceux qui nous connaissent bien, on va dire, et ceux qui bénéficient de notre travail, c'est d'abord les musulmans. Donc, voilà, là, vous faites une aumône, dans ce sens-là, vous participez à la formation de ces cadres religieux. Vous savez, quand vous subventionnez quelqu'un qui est imam, un imam va être utile, ça veut dire qu'il va diriger le culte, il va enseigner, il va... Tout ce qu'il fait, cet imam, après, Inch'Allah, vous êtes associé dans son ajr. Vous aidez quelqu'un pour apprendre le Coran, c'est pareil. Vous aidez quelqu'un pour apprendre l'arabe, c'est pareil. Ça veut dire que le ilm, en fait, le savoir, il se propage. Il y a une chaîne de transmission qui se crée. Une fois qu'un jeune apprend, ensuite, il va enseigner à des gens qui vont enseigner à d'autres et les autres vont enseigner aux autres. Et vous savez que ça démarre avec votre aide à vous. Ça démarre avec votre effort. Donc, votre effort, alhamdoulilah, si vous le mettez là, vous l'avez metté dans ce qu'on appelle une sadaqa jariya. Une sadaqa jariya, ça veut dire une aumône continue, donc, qui est toujours. Donc, vous serez toujours, Inch'Allah, récompensé à chaque fois qu'il y a cette transmission de savoir. Et bien sûr, on n'oublie jamais que l'infaq fi sabilillah, il n'y a pas mieux, en fait. Parmi les ibadat les plus méritantes, en fait, c'est l'infaq fi sabilillah. Donc, l'infaq fi sabilillah, comme le prophète dans le hadith al-Qudsi, Abdi, infaq, unfiq alik. Si tu dépenses pour moi, eh bien, je dépense pour toi. Voilà ce que Allah nous dit dans un hadith al-Qudsi. Bien sûr, les versets coraniques, les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui parle de l'aumône, vous la connaissez. Et donc, nous, on vous ouvre cette opportunité de prendre part à ce bien donc, qui est ce khair. Nous, notre action, ce n'est pas une action ni commerciale, ni,
il n'y a aucun intérêt derrière, si ce n'est pas donc l'intérêt dans l'akhira. Voilà ce qu'on vous propose et à quoi on vous appelle. En fait, on vous appelle à du khayr. Vous avez ce lien pour cette cagnotte et inshallah, on espère qu'à la fin du mois de Ramadan, on aura récolté inshallah la somme pour combler notre budget bi'idhnillahi ta'ala. Wa ala kulli hal, ce que vous donnez inshallah aujourd'hui, il ne sera jamais perdu. Vous savez, quand Aïcha radiallahu ta'ala anha, le prophète lui a demandé qu'est-ce qu'il reste de la bête qu'ils ont tuée pour manger, il lui a dit j'ai tout donné, il ne reste que ça. Il lui a montré une toute petite partie. Le prophète lui a dit, mais il faut dire le contraire, c'est-à-dire tout est resté sauf ça, ce qu'on va manger nous-mêmes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as fait en monde, c'est ça qui va rester en fait. Mais ce que tu vas consommer, il va partir. Donc, voilà comment il faut voir l'infaq fi sabilillah. Et barakallahu fikum pour votre présence. Et on espère, inshallah, que chacun partage cette cagnotte parmi ses amis, ses proches qui sont autour de vous, si vous êtes dans des groupes sur les réseaux, ainsi de suite. Donc comme a dit Cheikh Al-Arabi, n'hésitez pas à partager la cagnotte autour de vous, et le plus important encore une fois, c'est de poser votre empreinte en fonction de ce que vous pouvez, que ce soit 1 euro, 2 euros, 10 euros, 20 euros. Si, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé des biens, alhamdoulilah, mets-le au profit, mets-le fi sabilillah pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala te les multipliera, bi-idhnillah. En tout cas, comme Cheikh Al-Arabi l'a bien précisé, ne pensez pas qu'en donnant, vous appauvrissez. Au contraire, en fait, vous vous enrichissez. Et je voulais savoir d'ailleurs, Oustad Ali qui est parmi nous, qui est le directeur du département de langue arabe, qu'est-ce que vous pourrez nous dire concernant soit un hadith, soit une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit à propos de ceux qui dépensent de leur bien fi sabilillah pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fi al-haqiqa kullu ma yutiquhu al-insanu Allah ta'ala yukhlifuhu lahu. وكذلك العلم يعني كما قال الشيخ العربي حفظه الله اي انسان chaque personne donne à chaque personne donne quelque chose toujours ça reste dans في ميزان حسناته c'est-à-dire une personne qui a اعطى زكاه او في سبيل الله ça reste toujours et كذلك كل ما ينفقه الانسان هذا يبعد كذلك يبعد الاذى يبعد الاسى يبعد اشياء عديده عن الانسان فكل ما أنفق الله تعالى يفقه وهذه تجارة مع الله تعالى سيستهلكم هذا سبحانه الله سبحانه وتعالى كل ما تنفقه الله سبحانه وتعالى يخلفه بإذن الله تعالى بارك الله فيك استاذنا علي. En tout cas, on tient à vous remercier, donc ce soit les cheikhs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense de nous avoir accordé votre temps et de nous avoir accordé, alhamdulillah, votre sourire et votre modestie. Qu'Allah vous élève et qu'Allah continue de vous permettre de nous apprendre notre religion, que ce soit la langue arabe, la théologie ou le Coran. Donc le lien que vous voyez juste en bien qui est en train de défiler, soutenez l'Institut durant ce mois béni. Normalement, dans les commentaires, vous avez le lien, vous avez juste à cliquer dessus. Pour ceux qui sont sur YouTube, alors pour ceux qui sont sur Insta, normalement, en haut à gauche, vous avez une petite bulle sur laquelle il y a la photo de profil. Vous cliquez dessus, Inch'Allah. Ensuite, vous allez être redirigé vers la bio. Et sur la bio, il y a le lien cotisable. Inch'Allah, vous appuyez dessus. Si vous pouvez donner, bismillah, donner en fonction de ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, alors faites des invocations et partagez cette cagnotte autour de vous, Inch'Allah ta'ala. Et pour rappeler un hadith du Prophète sallam qui nous dit que les actes ne valent que par leur intention. Donc si, alhamdoulilah, toi, tu as l'intention de donner, mais malheureusement, tu es un jeune, une jeune, tu n'as pas forcément de revenus qui rentrent tous les mois, alhamdoulilah, fais ton possible et sache qu'Allah ta'ala te récompensera pour ton intention. Bi'idhnillahi azza wa jal. Donc voilà, je tenais à vous remercier toutes les personnes qui ont été présentes dans ce live. Et Inch'Allah, pour clôturer, on aimerait bien une dua de notre cheikh Saïd Bouadifi.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا بارك في كل من أعطى قليلا أو كثيرا لهذه المؤسسة ولكل المؤسسات التي تعنى بكتابك. اللهم يا ربي اجعلنا ممن يخدمون دينهم. اللهم يا ربي اجعلنا ممن ينشرون دينهم بالتعليم وبالنفقة وبكل وبالسعي وراء هذه المؤسسات يا رب العالمين. اللهم في هذا الشهر المبارك اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم اجعلنا ممن رحمتهم، واجعلنا ممن غفرت لهم، واجعلنا ممن اعتقتهم من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. اللهم بارك في كل المشاركين. اللهم إن كان لديهم مريض فاشفه وعافه. اللهم إن كان لديهم حاجة فقضها. اللهم إن كان لديهم أمر أنت تعلمه اللهم يسر أمورهم. على هذه النفقة على هذه المؤسسة بركة عليهم وخيرا لهم، وبارك لهم في أموالهم. اللهم اجعلها بركة في أموالهم، واجعلها بركة في ذريتهم. اللهم اجعل أولادهم يستفيدون من هذه المؤسسة. اللهم اجعلهم دعاة من أهلك وخاصتك من حملة كتابك الذين ينشرون دينك في الديار وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا اجعلنا كالغيث النافع حيثما حل نفع. اللهم اجعلنا كالغيث النافع حيثما حل نفع. اللهم اكفنا بالحسنى. اللهم بارك في هذه المؤسسات التي تنشر دينك يا رب العالمين، وتدعو إليك وتعلم الناس الخير وتهدي الناس إلى الطريق المستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. بارك فيكم. شكر الله لكم. شكرا شكرا. الله خير. استودعكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.